un faux pas donc pour Grenoble, qu'a fait le Racing Métro, autre prétendant au face finale dans ce top 14. Le Racing qui jouait sur la pelouse de l'Union à Bordeaux-Bègles cet après-midi. Le Racing qui n'est toujours pas dans les clous, 8e. Son entraîneur, Laurent Travers, déclarait d'ailleurs cette semaine que chaque match d'ici cette fin de saison régulière serait une finale. Il en reste donc 7 de finale, Guillaume Garrigue. Et évidemment, il n'y a plus de points à perdre pour les Racingmen. Oui, on peut comparer la situation du Racing à un fumeur de cigare. Plus on se rapproche de la fin et plus ça sent le purin, pour reprendre l'expression. En tout cas, que ce soit le Racing Métro ou cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, eh bien, on veut se frayer un chemin vers une place de barragiste. C'est un petit peu l'objectif. En début de rencontre, ça va plutôt bien débuter pour le Racing. En l'absence de Sexton, retenu avec l'équipe d'Irlande, Benjamin Dambiel ouvre le score. 3-0 après 2 minutes pour le Racing. Mais l'équipe du Racing va être rattrapée par ses démons, à savoir avoir des problèmes dans le secteur de la mêlée fermée sur cette introduction. La pression de Bordeaux qui va mettre à la faute les avants du Racing sous les yeux de l'arbitre qui n'hésite pas une seconde. Le buteur maison Bernard va égaliser et va répondre à Dambiel. 3 partout. Le match est plutôt équilibré, mais c'est Bordeaux qui, comme depuis le début de la saison, eh bien, joue décomplexé, joue les ballons de récupération, les contre-attaques. Au plaquage de Taliboula, ça profite à Donvo qui va accélérer, qui n'a plus qu'à courir pour marquer le premier essai de cette rencontre. Un essai en contre de Bordeaux grâce à un très très bon travail défensif du Fidjien Taliboula, que vous allez voir, il plaque Adrien Planté. Et puis ce jeune espoir Donvo, l'arrière de l'Union Bordeaux-Bègles, qui inscrit là son deuxième essai personnel cette saison, un essai qui sera transformé et qui permet à Bordeaux-Bègles de mener 13-3 après 21 minutes. Le Racing essaye de jouer mais perd des ballons et s'expose à des contres avec cette attaque. Le 3 quarts centre Lacroix qui va donner à Le Bourris qui va cadrer pour Taliboula qui va aplatir, mais c'est un petit peu juste, arbitrage vidéo, et vous le voyez, Taliboula, ça se joue à quelques centimètres, passe le pied en touche, l'essai sera donc refusé. Alerte pour le Racing Métro qui n'arrive pas à installer son rugby, qui n'arrive pas à jouer et qui va même faire des fautes. La conquête de Bordeaux est très propre à l'image de cette de prise en touche. Eni Adams voit un petit trou, il passe par le sol. Avantage, le 9 blanc qui sort pas. L'arbitre qui signale une faute, ça plaît aux entraîneurs Vincent Etcheto et Régisson et Bernard. Et bien lui continue son récital, 16-3. L'équipe du Racing n'a pas trop de solutions face à un des meilleurs artilleurs de la saison. Alors le Racing ne se complique pas dans ce match d'hiver, dans ce match un petit peu fermé. Va se contenter de multiplier les charges avec les avants, Kovu, puis Virgile Lacombe, qui va même obtenir une pénalité dans le camp de l'Union Bordeaux-Bègles. La pénalité passera. Le score est de 16-6 pour l'Union Bordeaux-Bègles, qui continue à faire l'effort sur la phase de mêlée fermée. Et ça paye. Ça paye, puisqu'à quelques minutes de la pause, eh bien, ils obtiennent une pénalité. Maxime Macheneau, tout juste rentré de Cardiff, vient dans sa ville natale à Bordeaux voir eh bien, le supplice infligé à ses coéquipiers du Racing Métro, qui sont menés donc à la pause 19-6. En début de deuxième période, eh bien, la mêlée du Racing va un petit peu mieux. C'est la première information, la première bonne nouvelle pour les Racingmen en début. Mais Laurent Travers n'est pas trop rassuré, même si la pénalité va passer 19-9. Après 50 minutes, le Racing tente d'attaquer. Ils sont en supériorité numérique à ce moment du match. Regardez Kruger qui passe par le sol. Mais magnifique attitude de la deuxième ligne et de l'attelage Marais Clarking qui joue le contre. 50 mètres en coin, eh bien, ça ne fait pas peur à cet homme, Pierre Bernard, qui va passer la pénalité. 50 mètres en coin, 22-9 pour l'Union Bordeaux-Bègles, qui s'appuie sur ses points forts, la mêlée, la conquête, la touche. Le Racing est complètement asphyxié, n'a pas de solution pour essayer de contrer eh bien, cette rigueur et cette offensive bordelaise, avec un ballon porté là, qui s'organise et qui, une nouvelle fois, met à la faute les avants du Racing. Olé Avey qui tente de s'extraire, ça ne donnera rien. On revient donc à la pénalité. L'ancien trois quarts apprécie le travail des gros, 25-9. Il reste 10 minutes, il reste quoi? L'orgueil, le courage, le baroud d'honneur du Racing. Kovu qui a une solution sur l'extérieur. Il est un petit peu gourmand, le Fidjien. Il va être repris à quelques centimètres avec le relais de son compatriote Matadigo, qui a plongé dans la butte mais qui n'a pas aplati. Vous voyez Connor qui va se jeter, et après arbitrage vidéo, et bien l'essai sera refusé. On en reste donc à ce score, 25-9. La victoire de l'Union Bordeaux-Bègles, 9e succès, contrat rempli pour Olé Avey. Bordeaux qui s'inscrit et qui continue d'affirmer, candidat crédible aux phases finales du top 14.